suis arrivé il y a 4 mois dans l'équipe. Je me suis intégré tout de suite. Au bout de 2 semaines, j'avais l'impression d'être là depuis plusieurs mois. Les débuts étaient vraiment incroyables. Après, on a eu une petite période difficile. Et là, on revient bien. On a fait le taf contre Massy. Et voilà, on vient ici avec de l'ambition. Le club nous fixe un objectif, nous on se fixe un objectif avec les joueurs. Et cet objectif aujourd'hui on l'a atteint, c'était celui de remonter en Star League. J'ai parlé de bonus sur ce week-end. On vient avec de l'envie malgré tout de finir entre guillemets en apothéose cette saison. Si on peut aller gagner le titre, on va pas s'en priver. Cette espèce de décontraction, elle est souvent à double tranchant. C'est soit vous faites un très très bon match parce que vous jouez sans pression et tout réussi, ou soit dans la difficulté, vous n'arrivez pas à trouver les ressources mentales nécessaires pour vous sublimer parce que vous avez l'impression que l'objectif est déjà atteint. Donc je suis un tout petit peu sceptique sur le déroulé du match de demain. En tout cas, on a ces derniers jours préparé, je dirais, correctement le match et on est prêt à affronter demain Cherbourg. J'ai un parcours assez atypique. Je jouais vraiment en handball pour m'amuser. J'étais en départemental, c'était vraiment du niveau amateur. Et je suis arrivé sur Ponto comme ça, par hasard, grâce à un ami. Et du coup, j'ai fait ma première année en réserve. Et d'ailleurs, je me suis entraîné avec les pros la deuxième année. Et j'ai fait mon petit chemin, quoi, jusqu'à maintenant, capitaine. Une belle histoire, j'espère finir avec le titre de champion, comme ça ce sera encore une plus belle histoire. On est une équipe plutôt jeune cette année, on a perdu quand même 7 joueurs l'année dernière, donc on a refait complètement l'effectif quasiment avec beaucoup de jeunes issus de centres de formation. Et ça a tout de suite collé, une grosse ambiance, grosse cohésion. Et tout le monde s'entend bien, c'est vraiment de 12 ans de carrière, vraiment c'est l'équipe avec laquelle je me suis senti le mieux. Et ça se ressent sur le terrain, puisque deuxième du championnat, on fait la meilleure saison du club, je crois. Là, on est venu en nombre, nous, pour la préparation de fin de saison et pour le Final Four. On a déployé les gros moyens. On est venu à 2 kinés. D'habitude, il y a un seul kiné qui se déplace. On a pris un petit peu plus de matériel pour faire sentir au groupe et aux joueurs qu'on était derrière eux en soutien, vraiment. Donc voilà, c'est peut-être un peu too much, mais nous, ça nous tenait à cœur de montrer qu'on était dans le club, le soutien, etc. Ça, c'est important. Le club avait affiché sa volonté de au moins arriver au Final Four. On a eu des difficultés par rapport à des blessures, mais l'objectif c'était d'abord d'être là, et puis ben là, on va tout donner pour passer le cap. Je voudrais pas qu'ils réussissent à enflammer le match au début. On verra après comment ça se passe. Je voudrais qu'on minimise la possibilité de prendre des engagements rapides ou des transitions. Nous, on a fini premier. Maintenant, on a 2 matchs pour montrer que, entre guillemets, c'est sur cette saison, c'est nous les plus forts. Donc voilà, il va falloir le montrer. Nous, on doit jouer libéré. Libéré, ça ne signifie pas qu'on n'en a rien à branler. Au contraire, ça veut dire qu'on n'a pas de pression, d'appréhension négative, quoi. Ça marche? Allez, on compte sur vous. Accéder à la Star League avec Cherbourg, ça serait quelque chose d'inédit pour le club, ça serait la première fois de l'histoire. Et maintenant, on va tout donner, et si jamais ça monte, bah là, ça va être la fête à Cherbourg pendant quelques jours. Toute la ville est derrière nous. Ça va le faire. Bobo, ça va le faire. Ah ouais, j'espère pour vous, les gars. Si vous faites du bruit, ça le fait. Ouais, ouais, bah on va faire j'espère du bruit. J'espère pour vous, pas. Parce que vous le méritez. L'envie d'aller sur le Final Four. Ça avait l'air un peu fou en juillet quand on a commencé à en discuter entre nous. Certains ont pensé que ou c'était de la prétention ou de la folie. Et le travail que vous avez fait les mecs,
vous a permis d'être là aujourd'hui et surtout vous a permis d'être là et d'être respecté aujourd'hui. Ok ? Aujourd'hui, les mecs, vous allez vous récompenser. Aujourd'hui, les mecs, vous allez montrer à tout le monde qu'on n'est pas là par hasard. Aujourd'hui, les mecs, vous allez montrer à tout le monde qu'on n'est pas venu là pour participer, on est venu là pour être champion de France. Ok ? Et c'est la première étape aujourd'hui pour être champion de France, les mecs. Ok ? On lâche rien, c'est parti, hein ? Place au terrain, place au match. Et quel match ? On arrête de leur donner trop de conneries. À chaque fois qu'on joue à peu près correctement et qu'on lâche, on trouve des solutions. Après, on fait des boulettes. Fallait pas lâcher, on s'est un peu énervé. Moi, je me suis énervé sur un temps mort, c'est pas vraiment mon style. Tu te rends compte que dans une salle où il y a du bruit, ça fait du bien de rejouer avec du bruit. Et puis, il y a un peu d'enjeu, bah, tu te prends au jeu et voilà, et t'es tendu et t'as pas envie de perdre. Je pense qu'on s'est battu, tout le match. On a mis l'intensité qu'il fallait, mais c'était, je pense, techniquement que ça l'a pas fait. Ils sont pas premiers pour rien. Ils ont la meilleure équipe du championnat, ils l'ont montré ce soir. On n'est pas loin, mais on mérite pas de gagner, clairement. Sur ma prise d'intervalle, là, j'ai senti mon mollet qui a une petite déchirure dans le mollet. Après, c'était contracté, donc là, ça va, je peux marcher. Donc, je pense pas que ça soit grave, mais de toute façon, la saison, elle est finie pour nous. Donc, on va soigner ça tranquillement et pour être là l'année prochaine, hein, pour venir. Hier, j'ai mangé ma meilleure pizza 4 fromages. C'est la meilleure préparation avant la Final Four. Nancy, on a perdu au match aller, au match retour, on gagne chez eux largement. Ça va être gros match costaud, défensif. Va falloir prouver qu'on n'est pas la deuxième défense pour rien. Oh, il y a un jeu du Marius, là. Ouais, Max a rentré. Folie un petit peu sur le terrain, là. Droite, t'es là. Un match. Allez les gars! Allez, courez! Allez, t'aimes pas courir! Allez, les gars! Courez! Allez! C'est bon! Franchement, j'ai pas de mots là, c'est vraiment dur. C'est dur, mais on savait que sur un Final Four, tout était possible. On a un groupe vraiment avec que des bons mecs, beaucoup de jeunes. Et j'avais vraiment à cœur de leur donner ce titre de champion. Je voulais qu'ils repartent avec sur leur CV écrit champion de Pro League. Et en plus, il y a des mecs qui partent, des mecs bien qui sont là depuis longtemps. Je voulais vraiment qu'on finisse sur une belle histoire et c'est ça qui m'a le plus peiné, plus que la défaite. C'était comme une finale. Avant, Saran a gagné, donc on savait que si on gagnait, on serait en Star League l'année prochaine. Donc on n'arrive pas vraiment à réaliser, faire le fil du match, ce genre de choses, c'est pas simple. Ouais. Mais bon, ça aurait pu être Ponto comme nous, c'est des choses un peu exceptionnelles. Quoi. Est-ce qu'on récupère mieux quand on gagne ? Bah, ça va dépendre du nombre de litres de bière qu'ils vont boire. Certains, ce sera peut-être plus difficile que pour d'autres. Oh, c'est... Allez, bon, allez.
Bravo à vous et franchement, j'exprime rarement mes sentiments, mais ce soir je suis fier de vous et uniquement fier de vous. Bravo les gars. On a Lucas avec nous qui a subi une blessure hier au niveau de la hanche gauche. Et donc là aujourd'hui il a un magnifique hématome qu'on essaye de glacer pour jouer principalement sur la douleur. Et il jouera pas aujourd'hui, on va le laisser se reposer un petit peu. Voilà, et grand sourire parce que vacances, ça y est. Vous êtes allé chercher la première place, vous êtes allé chercher cette place en finale. Maintenant, il faut que vous finissiez ensemble l'aventure, quoi. Et là, il faut qu'on le donne une heure. Il faut que vous donniez une heure. On finit bien, on finit avec un titre. C'est quand même une belle conclusion de cette saison, les gars. Hein, donnez-vous à fond une heure, tout le monde, allez, ensemble. Les allez les gars. Allez, on a quelques mauvais souvenirs dans cette saison, mais ils sont rares et on s'est dit qu'on haïssait tellement ces moments-là qu'il fallait les reproduire le moins possible. Donc il fallait gagner tout le temps et il y a des joueurs qui veulent gagner tout le temps, qui sont vraiment exigeants là-dessus et je les félicite vraiment pour ce qu'ils ont fait cette année. Ouais.